Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Terre intérieure. Je m'appelle Myriam Mendy, je suis enseignante de Kundalini Yoga et je donne des cours du côté d'Avignon. Je vous propose régulièrement sur Esperluette une pause pour vous relaxer ou méditer. Et aujourd'hui, c'est sur l'énergie d'automne. Après la frénésie de l'été, voici venu le temps de l'automne. Un temps pour ralentir, récupérer de l'année, se régénérer. Vous avez accumulé des expériences, fait face à différentes situations. Et l'automne est cette saison où la nature nous demande de décélérer pour mieux regarder le chemin parcouru. Un temps du bilan et de tri. Car vous ne pouvez pas avancer si vous avez accumulé sans cesse, si vous gardez tout. La nature le sait bien. C'est pour cela que l'arbre se départit de ses feuilles à l'automne. Sinon, comment pourrait-il avoir la place d'accueillir le prochain printemps? En yoga, Shavasana est la posture de relaxation par excellence. On l'appelle aussi posture du cadavre. Elle s'harmonise avec l'énergie d'automne. Elle invite au relâchement complet et à l'abandon à la terre. Je vous invite à en faire l'expérience avec une relaxation guidée, inspirée du Kundalini des saisons de Marion Sebi. Allongez-vous sur le dos, couvrez-vous si besoin pour maintenir la température du corps. Écartez légèrement vos bras de chaque côté. Relâchez complètement vos épaules. Laissez-les s'enfoncer doucement dans le sol. Et sentez l'ouverture du cœur au centre de votre poitrine. Les jambes sont légèrement écartées. Vos pieds retombant de part et d'autre du corps. Sentez vos hanches s'ouvrir. Décontractez votre bassin. Vos paumes de main sont tournées vers le ciel en signe d'abandon et d'acceptation totale de toutes les surprises que vous réserve la vie. Fermez vos yeux tranquillement. Détendez la respiration, inspirez et expirez lentement par le nez. Laissez le ventre monter et descendre naturellement. Sur chaque expire, donnez la permission à votre corps de se détendre. Demandez à chaque partie de votre corps de relâcher les tensions avec douceur et confiance. Sentez-vous accueilli par votre tapis, comme vous accueille une forêt ou une étendue d'herbe, sans attente, sans jugement, comme vous êtes. Aimantez à la terre, vous inspirez profondément le nouveau et vous expirez profondément l'ancien. Vous relâchez à la terre le trop-plein, ce que vous n'avez plus à garder. Abandonnez-vous. Et laissez partir tout ce qui vous alourdit. Laissez ce processus de nettoyage gagner votre corps physique, émotionnel et mental. Allongez le plus possible votre expire
et ressentez ce souffle qui se retire comme pour rejeter ce qui est inutile à votre vitalité. Vous faites une profonde réinitialisation nerveuse. Laissez aller. Ne retenez plus. Lâchez prise. Comme les feuilles qui se détachent de l'arbre, une à une. Vous laissez partir vos ruminations, vos peurs, vos émotions. Vous les déposez à la terre. Puis reprenez un contact plus conscient avec votre respiration. Amplifiez-la comme pour revenir au vivant. Vos poumons se gonflent de plus en plus et vous sentez votre souffle habiter pleinement sa maison, c'est-à-dire toutes les pièces de votre corps. Vous revenez petit à petit à la vie. Votre souffle vital circule dans tous vos tissus et dans tous vos organes. Sentez vos cellules et votre psyché nettoyées par votre respiration. Puis étirez le corps comme un chat. Tendez vos bras au-dessus de votre tête, étirez vos jambes vers le bas. Et mettez paumes de main l'une contre l'autre et plantes de pied l'une contre l'autre et frottez vigoureusement. Sentez la chaleur créée de la rencontre entre votre paume droite et votre paume gauche. Sentez la chaleur créée de la rencontre entre votre plante de pied gauche et plante de pied droit. Sentez vos deux côtés droit et gauche qui reviennent ensemble à la vie. Respirez dans la conscience de cette connexion entre vos deux polarités, côté droit et côté gauche, vos deux hémisphères du cerveau. Puis déposez vos mains sur vos yeux, comme pour nourrir votre regard d'une nouvelle intention. Celle de rester connecté pleinement au présent, désormais allégé du négatif. Puis pliez vos genoux, amenez-les sur la poitrine et enserrez-les avec vos mains, comme pour imprimer au creux de vos cellules votre renaissance. Basculez d'avant en arrière, inspirez vers l'arrière, les genoux écartés au plus proche des oreilles. Expirez vers l'avant, les pieds qui touchent la terre. Continuez ce mouvement de bascule. Et puis basculez jusqu'à trouver votre assise. De nouveau, asseyez-vous, jambes croisées au sol, les mains posées sur les genoux, bien assis sur vos ischions, votre base bien reliée à la terre. Prenez conscience de votre enracinement. Grandissez votre colonne vertébrale comme un arbre qui se déploie vers le ciel, stable, paisible. Prêt à accueillir le prochain printemps. Et connectez cette légèreté retrouvée. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Terre intérieure. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux
Facebook, Instagram ou sur Internet si vous avez envie d'en savoir plus sur le Kundalini Yoga, ses techniques, sa philosophie. Esperluette. Esperluette.